Si elle a été Miss France, Marine l'Orphelin a poursuivi ses études de médecine à l'issue de son règne. Elle est désormais généraliste et a sorti un livre, En pleine forme, dans lequel elle livre des conseils bien-être. Des règles qu'elle se doit de suivre elle aussi. Marine l'Orphelin relève un nouveau défi en cette rentrée. L'ancienne Miss France, devenue médecin généraliste, a sorti un livre, En pleine forme, paru le 30 août dernier aux éditions Marabout. La jeune femme de 30 ans donne des conseils bien-être, tant pour préserver la santé physique que mentale. Un sujet qu'elle maîtrise plutôt bien, elle qui est touchée par des troubles psychologiques. Dans la boîte à questions sur Canal+, Miss France 2013, récemment séparée de son amoureux de longue date Christophe, s'est livrée sur un combat qu'elle mène au quotidien. Je souffre de troubles anxieux, et j'en ai parlé pour essayer justement de vulgariser ces sujets-là, pour que les gens osent prendre la parole, a-t-elle indiqué dans l'émission. Pour elle, il est important que le tabou soit levé concernant les troubles mentaux pour désacraliser les maladies et ainsi mieux traiter et diagnostiquer. Elle le dit elle-même, il faut que les gens osent prendre la parole sur leurs propres problèmes. Parmi les choses qu'elle conseille d'appliquer, chouchouter son sommeil. Si est-il vraiment votre atout santé numéro 1 ? Difficile pour la jeune femme de respecter cette consigne à la lettre, surtout depuis sa séparation d'avec Christophe, avec qui elle s'apprêtait à se marier. Le 18 juillet dernier, un peu plus d'un mois avant la sortie de son livre, Marine l'Orphelin annonçait sur Instagram être célibataire, « Christophe et moi avons décidé de continuer nos chemins séparément. Nous nous sommes aimés, passionnément et dans le respect de l'autre. Nous avons passé 9 belles années, remplies de rires, de joie, de peine, de discussions, de projets. Des souvenirs qui resteront gravés dans nos cœurs. Nous serons pour toujours un pilier l'un pour l'autre. Distance, routine. Par pudeur, les deux ex n'ont pas voulu dévoiler les raisons pour lesquelles ils ont mis un terme à leur histoire mais affirment vouloir préserver les bonnes relations qu'ils l'ont réussi à garder. Cette décision nous appartient, ainsi que les raisons qui nous y ont menés. Nous vous prions de respecter notre intimité et notre pudeur dans ce moment particulier. Quelques jours plus tard, elle avouait être toujours rongée par le chagrin, ça pourrait aller mieux mais ça va. La douleur d'une séparation ne disparaît pas en un claquement de doigts. Autre challenge de l'année, retrouver pleinement son joli sourire.